Heureusement c'est Kyogre, Kyogre tant que bien. Normalement j'entends qu'un deuxième hein. Normalement j'entends qu'un deuxième le jeu. 67 HP, normalement ça devrait aller. Objectif d'aujourd'hui, les amis, vaincre le dominant électrique. Et je ne sais pas si ça va être un Zekrom pour le coup. On verra bien. Mais avant ça, il va falloir qu'on fasse un petit peu de blabla. Donc YouTube, on se retrouve après. Hein. Allez, c'est parti, premier dresseur. On va tâter du terrain avec notre équipe. Qu'est-ce que tu as comme Pokémon pour bien commencer cet épisode? Un Rattatak. Très bien. Alors, Rattatak level 34. Ah ouais, il y a une petite différence quand même. Hein. Bon, j'ai Plicroix qui est super efficace, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ah la vache, il m'a défoncé. Les croix. Je suis plus rapide. Ça, c'est Frotte-Pimousse. Heureusement, c'est Frotte-Fri... Ok, c'est bon, il n'a pas été paralysé. Non mais on commence bien, hein. On commence bien. Déjà dans le orange. Hein. C'est le début d'épisode, c'est toujours comme ça, faut que je m'y mette dans le bain, faut que je me souvienne des règles, faut que je me rappelle qu'effectivement, on est tourmenté, donc on ne peut pas utiliser la même attaque deux fois de suite, malheureusement. Ma faute, c'est un bulle bizarre. Bon, il faut que je... Alors, la blague, c'est d'ailleurs, on dit qu'il faut que je double switch quand je rate la tourmente. Mais le problème, c'est que je viens de tuer le Pokémon, donc en fait, faut que je fasse un triple switch. Parce que là, j'ai switch une fois par rapport au fait que j'ai fait un kill, par rapport à la règle. Mais ensuite, là, faut que je switch, et là, il faut que je double switch, je veux dire. Sur le Kyogre. Voilà, ça sert à rien. Malédiction. Ok, bon, il s'est grave setup l'enfoiré. Donc, acrobatie. En espérant que ça suffise. Oh putain. What? Oh la clim. Alors, je suis désolé pour vos oreilles. Je vous avoue que même moi, je me suis surpris par rapport à mon cri. Je ne m'attendais pas à ce que Espulse Organ fasse autant de dégâts. Incroyable du cul. Mais bon, que voulez-vous? On commence bien cet épisode, hein, que voulez-vous? Un mort d'entrée de jeu. C'est génial. Ça annonce la couleur pour la suite de... Vous savez quoi? Je vais pas faire les erreurs du passé, je vais mettre Frogouille dans mon équipe. Non mais, il me faut bien un Pokémon pour les gouverner tous. J'ai pas envoyé le meilleur des Pokémon, on va pas se mentir. Ça c'est vrai que j'ai la force Z. Vas-y, pour bien commencer le live. Chambrumeux, ah mince. Est-ce qu'on peut pas se faire une turbocharge? Ce serait génial. Vas-y, rentre dedans. Vas-y, le deltaplane, fonce mon grand. J'ai bien comme... C'est ridicule niveau animation. Qu'est-ce qu'il fait avec sa nuque comme ça, là? Il a fait zéro dégâts. Vas-y, hein. On va mettre le bon Kyogre. C'est le type qui va te casser la face. Ouais, non, mais les types vol, on n'aime pas trop ça. Hein. Allez, dis-moi que t'augmentes ton attaque spéciale, l'attaque dommage. Ah! Non. Heureusement, c'est Kyogre. Kyogre tant que bien. Normalement, j'entends qu'un deuxième, hein. Normalement, j'entends qu'un deuxième, le jeu. 67 HP, normalement, ça devrait aller. Et il m'a pas mis dans le orange. Mais non. Mais non. Mais non, il aurait dû me laisser à 2 HP. C'est quoi ce bordel? Mais pourquoi Kyogre? Pourquoi mon Kyogre? Il aurait pu aller loin, mon Kyogre. Un séisme. Bon, j'aime bien l'animation. Oh oui, heureusement, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai pris Frogouille dans l'équipe. Au cas où que ce genre de situation arrive. Ah ouais, par contre, c'est... Ouh, la brûlure. Allez, échec et mat. Ah, fou. OT1. Let's go. Oup. Let's go. Mon illustre Kyogre, malheureusement, c'est fini.
Et tu, par contre, tu as la chance d'inaugurer la nouvelle boîte de karma. Et ça me fait mal, hein, ça me fait mal. Bon, bon, la peine, on va mettre ça courir un peu. Il y a un monde où vraiment le dominant, il me 6-0 comme la dernière fois avec Reshiram. Et il me reste juste Fizdak. Et ça, si c'est le cas, c'est beau. On lui rappelle le nombre de fois où Fizdak a failli mourir. La fameuse prédiction. Oula, il y a un dresseur là, ne me dis pas qu'il m'empêche de... Non, c'est bon. Ok, madame, arrêtez de faire vos étirements et affrontez-moi plutôt. Un Voltaï, yes, je suis de type O. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Ah, non, non. Hmm. Bah, Jean-Paul. Pardon. Le cerveau, il cogitait là-dedans. Pardon. Oui, oui, si j'ai un type O, il va faire une attaque peut-être de type tonnerre. J'ai Jean-Paul. Le Big Brain. Blizzard. Big Brain. Mes pieds dissolent. Si tu pouvais le one-shot, ça nous arrangerait tous, hein. Non, bien sûr que non, tu l'as mis que midlife et t'es pas plus rapide. Ah, quoique la vitesse est baissée, mais... Je vais peut-être pas me risquer de perdre Jean-Paul pour ses conneries, on va mettre Frogouille plutôt. Sauf qu'il a charge foudre. Non mais Frogouille est plus rapide. Et comme il a protéin, on va faire Tissombre et ça sera bien. En plus, il a raté. Tissombre. C'est bon, c'est bon. Le plan tient, le plan tient. Tout est calculé. Tout va bien. Allez, la Tissombre. Ah. Bon. Je suis de type... Spectre, donc c'est bon. C'est bon. Ça passe. Non, non, il va pas mourir. Non, non, Frogouille, on a besoin de lui pour plus tard. Il ne va pas mourir de sitôt. Level 38. Ouais, Frogouille va sans doute se solo dominant, je sens. Allez, le Myagma, on se souvient, ça nous casse les bonbons, ce jeu Pokémon. Mais, arrière de l'écume, devrait pouvoir s'en débarrasser normalement. Normalement. Yes. Frérot. Ça va, ça passe. J'en ai marre. Pourquoi j'ai un talent caché qui fait que je laisse tous les Pokémon à 1 PV? C'est horrible ça. Je suis vraiment le seul youtubeur à qui ça arrive. C'est chiant. J'ai encore un travers de la gorge. L'épisode précédent où c'était chocolat qu'on a perdu comme ça. C'est horrible. Allez, petit Pokémon de zone. Du bon je sais plus quoi. Rien voir. Oh, un armure. 1. 2. 3. Oui, il suffisait de compter. Patience, la Pamplemousse arrive, les gars. Megavolt, toujours un Pokémon électrique. Donc pareil, on refait la même avec Jean-Paul. Allez, vas-y, pied du sol. Éclat glace, bordel de merde. Mais il m'a pris au pied de la lettre quand je lui ai dit on refait pareil avec Voltaï. Qu'avec Voltaï. Oh merde. Ah, en plus, on lui fait pas tellement de dégâts. Est-ce que Curieux, c'est pas super efficace la charge qui devient type vol? Attendez. Ah oui, mais éclat glace, moi... Oui, non, mais je crains. Bon, après, c'est juste une attaque à 40 de puissance, donc ça fait pas trop de dégâts. On peut tenter quand même de faire le charge. Ok. Non, le type électrique. J'étais en train de me dire pourquoi c'est pas super efficace, mais le type électrique, oui. Le type... Non, putain, la teubrite. Tourmente. C'est hyper dur parce qu'en fait, dans ma tête, Curieux n'a pas d'autre attaque que charge. Donc en fait, c'est hyper dur de faire la règle de la tourmente avec ce Pokémon, en fait. Ouais, ouais, je sais, le chat. Double switch. En vrai, est-ce que Sakura peut le faire? Elle met le 31 déjà, hein. Vas-y, une petite calinerie, là. Oh, c'est bon, Sakura a tué! Let's go! On est déjà à 3 morts, alors qu'on n'a pas encore fait le dominant quand même, je tiens à le dire. Je suis sincèrement désolé. Je savais pas du tout qu'il avait Carapiège. Ça, c'est génial, parce que derrière, on va avoir le dominant et on va se faire péter la gueule, ça va être génial. Et ça dégage. Ah putain, le Carapiège, j'y crois pas. Allez, c'est parti! Premier Pokémon de zone de la soirée, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Ouais, s'il y en aura d'autres, à moins que je me fasse exploser par le dominant. Mais bref, en tout cas, Pamplemousse, c'est parti. De toute façon, il manque pas grand monde. Enfin, il reste pas grand monde, je veux dire. Allez, vas-y, régale-nous. Helios. Ok, bah c'est un Pokémon qui est là depuis un petit moment. Bon, en vrai, si je devais faire un guess, allez. Allez, Elionceau, peut-être. Bon. Enfin. Enfin, j'ai réussi à prédire un Pokémon. Oh, je suis heureux. Rivalité, ouh. Wait, what? Mais c'est son talent de base.
Tellurie Force, Mégaphone, Lance-Flamme. En fait, il est trop trop bien. Et maintenant, regarde-moi bien. Oh oui, je te regarde. Wouh! Je me suis pété les poignets en faisant ça. Ouais, on voit. Ah, ça a l'air d'être bon. Allez, les gars. Le dominant. Le level va être clairement de ça. En plus, je suis en train de me dire que ce qui va vraiment être compliqué, c'est que si c'est un dominant de type électrique, ça va être très dur de faire un switch sur Frogouille s'il a une attaque de type électrique. Donc vraiment, va falloir espérer que Karcha puisse défoncer ce dominant. Allez, c'est parti. Qui qu'il soit. Ouh. T'imagines, et là, c'est le robot. Allez, révèle-toi à moi. Qui es-tu, dominant électrique? Réponse. Putain, c'est le Zekrom! Oh putain, il me fait peur. Oh putain, il me fait peur. Après Régic Ram, c'était sûr, mais oui, c'était sûr! C'était sûr! Oh, le Zekrom! Le Zekrom. Bon, attention, il y a. J'ai envie de vous dire, j'ai pas le choix, donc. Poup! Pédisol. Possessif. Ok. Normalement, on n'a pas d'attaque en commun, ça serait cool. Allez, Pétisol, fais-nous rêver. Oh, merde. Oh, purée, c'est vrai que surtout, il peut appeler du renfort. Qu'est-ce qu'il va mettre? Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Farump méga. Des armures. Pourquoi des armures? Draco souffle. Oh, mince, il a... Bah oui, forcément, il a un stab. Mais mon Jean-Paul! Les picots enfoirés! Voilà pourquoi il a un armure! Mais mon Jean-Paul, pourquoi il s'est fait one shot? Mais merde! Mais merde! Mais j'ai deux Pokémon de type O dans mon équipe! Mais je suis Doom! Enfin, j'ai pas le choix, faut que j'aille sur Frogouille, hein! Écoute, je vais l'affaiblir un maximum avec Frogouille. On va faire une petite sombre. J'espère que je suis plus. Oh, je suis pas plus rapide que lui, bah oui. Ok, il a spammé Draco Souffle. Est-ce qu'il a un objet? Oh la paralysie, t'es sérieux le jeu? Ok. C'est bon, j'arrive à toucher. J'arrive à toucher. Est-ce qu'il est bloqué sur son attaque? Putain, j'ai fait zéro dégâts! Bon, arrière. Attendez. Est-ce qu'à tout hasard, il serait bloqué? Est-ce qu'à tout hasard, il serait bloqué sur Draco Souffle? Ouh! Ouh! Ah! Enfoiré, d'où tu attaques? Ok, mégaphone. Super efficace. Mais putain, je... C'est fini. Je vais jamais le tuer. Il va me 6-0. Je peux rien faire contre lui. Hein. Est-ce que je peux essayer de le rendre confus? Oh, j'ai tanké un 6 PV. Ah bah non. Je peux rien faire, il me défonce les Pokémon. Ça, moi, il est beaucoup trop lent. Hein. Ouais, Croc éclair. Hein. One shot. J'ai perdu. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer de soigner. Pas une guérison. Ouais. Ah, c'est la merde. Hein. Là, le problème, c'est que Frogouille, il est trop lent. Et on a vu que ça faisait zéro dégâts. Donc là, on va juste... Ah ouais, non, il fait Draco Souffle. Oh putain, il fait beaucoup trop mal. MDR, il me met la tourmente au cas où j'oublie la règle. Le problème, c'est que je peux pas me soigner. J'ai pas le droit de me soigner. Trop de morts, go soin. Vous savez quoi, je vais me soigner. De toute manière, je pense pas que je vais réussir à survivre. Donc je vais me soigner. Vu qu'il est tout seul. Vu que de toute manière il est tout seul et que de toute façon je pense qu'il y a zéro chance que je gagne. Surtout si l'autre il fait Eldacier. Y'a pas un monde où genre l'autre il fait pas Eldacier. Ce qui fait que genre je peux survivre. Ça va le pépestol. En vrai je me demande si je peux le pépestol. C'est vrai que ça serait drôle. Mais je pense pas que ça soit faisable.
Ah, le coup critique. Attention, est-ce que c'est la fin? Non, ah, c'est pas la fin. On va attendre un petit moment. Ouais. Comment ça va, les gens? Mais attendez, à un moment, vous savez pas. À un moment, les gars, tant il arrive, il a plus de drac au souffle. Il fait une autre attaque. Et là, bam, on arrive à tanker de fou. Et la plot twist, on arrive à gérer rien qu'avec Frogouille. Est-ce que t'as assez de potions? Non. Croix éclair! Il a changé d'attaque, attention! Attendez! Alors peut-être! Alors peut-être! Incroyable! Attendez, attendez, on peut tanker! Fizdak, il le battait tellement facilement avec son type plan de spectre. Croix éclair, Fizdak est mort. Putain, mais non, t'as raison, il est type spectre! Mais il est plus type vol! On avait fait jugement, donc il faut que je fasse 6 sons. Bon, je vais focus les écrans, moi, tu sais quoi. Ah! Ça n'affecte pas le Hermione. Ah, 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 il a fait... Ah, ça c'était pas prévu! Ça fait 0 dégâts. Aile d'acier. Oh, on peut résister. Ah, oh, pareil. Est-ce que ça le termine? Ah, il veut pas mourir, il veut pas mourir, il veut pas mourir, il veut pas mourir. Allez, allez, terminons-en. Allez, c'est la dernière attaque. Ok, on pleure 6, let's go. Let's go. On va le faire. Oh oui, on va le faire, oh oui, oh oui. Sois pas paralysé, je t'en supplie, sois pas paralysé. Décède. Allez, allez. Frogouille. Wow. Oh, je l'ai... Oh, let's go. Let's go. Ah oui. Si on pouvait le brûler, ça serait le summum. Allez, aux chiottes. Oh putain, j'ai survécu. Oh, j'y crois pas. Oh, j'y crois pas. Frogouille, la légende, Frogouille. Vous avez vaincu le dominant Zekrom. Chez tout le monde. Regardez le layout. Hein. Regardez le layout. A plus. Yes. Il me reste un Pokémon. Mais merci. Allez. Mérité. Épreuve réussite. Ta-da-da-da-da. Oui. Félicitations, bon. Oui. Bon, en tout cas, voilà, on s'apprête à affronter Guzma. Guzma qui va décider du sort de notre let's play. Et effectivement, nouvelle règle. Du coup, c'est le chat qui va décider quel Pokémon avec lequel je... qui va décider avec quel Pokémon je vais lead pour ce combat majeur. Donc, chat, qui doit être devant? Visiblement, on partirait sur la flemme. Ouais, la flemme. Tout le monde veut la flemme. Hein. Forcément, il est level 29 en plus. Bon, vu que de toute façon, son but, c'est de switch. Ça devrait aller. Même je pense que je vais faire dernier mot en vrai. Bon allez, on va voir. Allez, trêve de bavardage. Wouah, c'est Gizmoche. Il a été renommé. Tu me connais pas, moi, je suis Gizmoche, je suis la destruction incarnée. Ah, bah c'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'il va détruire mon let's play? C'est le moment ou jamais. La flemme, Fizdak. Frogouille, tout repose sur vous, mes grands. Allez, 6 Pokémon, ça va morfler. On commence sur un Exagel. Très bien. Ah oui. C'est vrai qu'on a peut-être oublié ça, le fait qu'ils puissent, qu'ils sont extrêmement haut level. Demi-tour, ça va faire 0 dégâts. Hein. Merci la flemme, bien joué la flemme. Non, bien sûr, je vais aller sur Frogouille. Hein. Attends, ça change pas. Hein. Feu glace, ah bah de toute façon, il est plus rapide que moi. Oh, ça va, on a bien résisté. Allez, vas-y, jugement. On va voir les dégâts. Est-ce que tu peux faire beaucoup de dégâts? Ça, ça va être ultra fragile, cette merde. Ok, ok, en vrai, ça nous donne pas mal de tours. En vrai, est-ce que je peux pas... Non, je vais devoir bouffer un feu glacé, je pense, avant d'en finir. Hein. À moins que... Ah, pas de crit, dommage. À moins que... C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, j'ai évité l'attaque, let's go. Jugement. Allez, parfait, parfait. Le premier vaincu. Allez, premier c'est vaincu. J'ai envie de tenter un truc. Parce que brutalibré, ça me fait mal. Ça me fait peur, du moins. Donc on va faire un truc.
On va mettre la flemme. Et on va faire dernier mot. Même si j'ai changé clair, ça ferait aucun dégât. Vas-y, dernier mot. Pied sauté. Et bah c'était la flemme. Il s'est fait oblitérer. Oh merde. Ah il s'est fait défoncer. En plus j'ai pas d'attaque incroyable pour vaincre un Bouta Libre, hein. C'est incroyable. Est-ce qu'il me touche? Oh putain, est-ce que fils d'acte peut passer? Coup de boue. Ah, mais si. Oh, il a peut-être pas d'attaque. Ok, il a peut-être pas d'attaque pour me gérer. Il retire le Bouta Libre carrément. Ok. Ah d'accord. Ah d'accord. Je suis cuit. Je peux pas switch sur Frogouille vu que... Ok, gravité. Pourquoi il m'a amené à... Ok, est-ce que... Allez, Fizzak, t'es le meilleur. Est-ce que tu fais de bons dégâts sur un Abigail? Une Abigail? Putain, non, pas du tout. Honte folie. Il a pas l'air d'avoir d'attaque pour me toucher pour l'instant. Fizzak, il a, hein. Fizzak, il a. Je fais zéro dé... Tisson, c'est fini. Oh, dis-moi que Fizzak, c'est comme ça que tu meurs. Oh non, il touche. Je peux pas me soigner. On va jouer. J'ai suffisamment dérogé à la règle comme ça dans cet épisode. Donc, malheureusement, c'est la fin de Fizzak. On va soigner Frogouille. Parce que Fizzak peut être confus, ne peut pas réussir à le toucher. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent... Ah bah, de toute façon, il y avait Tisson. Je ne pouvais pas m'enfuir, hein, quoi qu'il arrive. Et j'ai pas le droit de me soigner. C'est la fin du règne de Fizzak. Il me reste plus que Frogouille. Encore. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon du tout. Ne sois pas confus, Frogouille, s'il te plaît. S'il te plaît, ne sois pas confus. Ce n'est pas le bon moment. Pas maintenant, Frogouille. Pas maintenant, Frogouille. Pas maintenant. En plus, tu résistes bien à un petit sombre. Bon, en vrai, c'est une bonne chose. Parce que le truc, c'est que je me rends compte que... il a que Tissombre. Ouais, il a Tissombre, Onde Folie, Gravité, et il manque une dernière attaque. Ok, bon là, je repasse Spectre, donc c'est compliqué pour la prochaine attaque. Ok, let's go. Let's go. Un Oratoria. Sérieux. C'est... Ça fait super mal de fou, ce truc. Je sais pas comment je peux le passer. Oh, je fais pas énormément de dégâts, hein. Fumifère. What? Ça a fait beaucoup trop de dégâts. Eh, vous savez quoi? De toute façon, je m'en fous. Hein. Je vais me soigner. Hein. Je m'en fous. De toute façon, c'est fini. Je vais jamais réussir à passer, là, pour le coup. Là, je pense que c'est mort. Hein. Là, je pense que c'est fini, là. Hein. Là, je pense que Frogouille va pas réussir à... Je pense que Frogouille est tout seul. Il y a aucun monde... Où j'arrive à passer uniquement avec Frogouille, hein. En plus, j'ai pas racheté de potions, mais bon, vu que j'ai pas besoin de théorique pour de potions. Oh, moi, je l'ai défoncé, hein. À quoi brèche? Putain, il résiste, le bougre. Et j'ai failli faire utiliser... De... Oh, putain, c'est lui aussi, il se soigne. C'est lui aussi, il se soigne. Ok, ok, je suis plus rapide. De toute façon, il va se soigner, je pense. Non, il s'est pas soigné. Est-ce que ça kill? Est-ce que Frogouille termine au moins l'Oratoria? Oui, let's go. Au moins l'Oratoria s'est vaincu. Balayette. Ouh, je suis dans la merde. Je me suis mis sur jugement et c'est super efficace. Et j'ai perdu en vitesse. Donc du coup, je ne serai pas assez rapide pour changer de type anti-spectre. Oh, il aurait fallu que je termine... Oh putain, il fait pied sauté. Est-ce qu'il peut pas rater pied sauté? Le problème, c'est que les dresseurs sont boostés aux hormones et du coup, eux, ils savent pas ce que c'est rater leurs attaques, hein. Bien sûr, hein. Et j'ai plus beaucoup de potions, hein. Ça commence à puer, là. C'est la fin, les gars. C'est la fin de la fin. C'est la fin de la fin. C'est la fin, les amis. Il veut pas rater, mais c'est incroyable comme les Pokémon ne ratent pas leurs attaques dans ce jeu. Super Sérum, c'est 60. Ça me met à 90 HP. Ça tient pas. Adieu !
Il a pas raté. Game over.